Deux marchés ont été visés par des frappes aériennes à Idlib, au nord-ouest de la Syrie, une province dominée depuis mars 2015 par le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, estime qu'au moins 44 civils ont péri et dénonce un massacre. Les frappes sont imputées au régime syrien. À l'attaquer, le fief de Bachar el-Assad, ce sont les lance-roquettes qui ont retenti ce lundi. Ici, les rebelles, qui ciblent des bâtiments de l'armée, continuent d'affronter les forces du régime. Et puis dans la province de Damas, au moins 7 civils ont été tués dans la Ghouta orientale, fief de la rébellion, toujours selon l'OSDH. Autant de violences qui mettent à mal les pourparlers de paix à Genève. La conférence de Genève n'a aucune valeur, car la solution devrait être syrienne. La situation va empirer si nous ne trouvons pas notre propre solution. L'Occident ne peut rien pour nous. Le cœur du problème est syrien. On espère que ces discussions vont aider la population, pas comme les dernières fois. On a besoin de quelque chose d'efficace. On ne veut pas vous raconter toutes les versions. Genève 2, 3, 4. On veut des réponses aux aspirations du peuple.